Il faudra s'y habituer. À partir de lundi, la consultation chez le médecin généraliste va passer de 23 à 25 euros. La profession n'avait pas vu ses tarifs augmenter depuis 2011. Alors, quelles conséquences pour les patients? Combien cela va-t-il nous coûter au final? Francis Mazoyer, Philippe Dumay. La cité du Grand Parc, un quartier populaire de Bordeaux. Au bas des immeubles, ce gros cabinet médical. Tous les quarts d'heure, les patients se succèdent. Voilà, votre ordonnance, hein, c'est 23 euros. Le 1er mai, la visite chez le généraliste passe à 25 euros, soit 2 euros de plus. Et cela fait réagir. 2 euros, c'est pas énorme, mais bout à bout, ça fait beaucoup, quoi. 2 euros par-ci, 2 euros par-là. Avec le tiers payant, on n'avance qu'une somme, quoi. Le reste, c'est la sécu qui règle automatiquement. Un changement indolore pour ceux qui bénéficient d'une complémentaire de santé ou de la couverture maladie universelle. En revanche, 3 millions de patients sans mutuelle seront touchés, avec un reste à charge en augmentation de 60 centimes d'euros. Ces compléments d'honoraires attendus depuis 2011 devraient améliorer le fonctionnement des cabinets médicaux. Qui vont nous servir peut-être à mieux les recevoir et puis leur assurer un meilleur service, un meilleur rendu médical. Pouvoir financer nos remplaçants, assurer une permanence et la continuité des soins. Mais selon le docteur Guérin, ce n'est qu'un simple rattrapage pour compenser notamment l'allongement de la durée des soins, jusqu'à une heure pour un seul patient. Plusieurs motifs par consultation, des consultations vraiment complexes, des maladies chroniques qui explosent, hein, donc beaucoup plus de motifs, hein, de consultations. Et en plus, ajouté à cela, il y a quand même depuis ces dernières années une charge administrative qui a augmenté. À partir du 1er novembre, d'autres tarifications entreront en vigueur, jusqu'à 60 euros pour les pathologies les plus graves. 115 000 libéraux sont concernés par cette nouvelle convention médicale.